Et voilà, bonjour à tous les amis pour cette nouvelle vidéo et j'ai l'immense plaisir enfin de vous annoncer l'ouverture du serveur Caresa TV. Et oui, ça y est, enfin après pas mal de péripéties. Bon, désolé, j'ai encore la voix qui déraille un peu, mais ça va s'améliorer, vous inquiétez pas. Je m'excuse encore pour le manque de vidéos de ce week-end, hein, toujours. Donc je vais vous faire une petite visite. Hein. Bah là c'est le coin de spawn. Hein. Je vais mettre en D slash game mode 0. Voilà. Ah merde, je me suis planté comme un con. C'est le 1 qu'il me faut. Voilà. Hop, et ça a l'air de marcher. Parce que alors j'ai pas mal de trucs merdiques. Bah là, c'est juste une sortie au cas où il y a besoin, mais. Donc hop, là nous sommes ici, ça sera le point de spawn des nouveaux arrivants. Bah, petite info pour le comment dire, pour accéder au serveur, il faudra aimer la page Caresa TV. Bon, je vous mettrai le lien dans la pardon, Caresa TV Minecraft, que je vous mettrai dans la description. Et pour s'inscrire, il faudra m'envoyer un message privé avec mon compte Facebook si possible, avec votre pseudo Minecraft. Une petite, du moins votre sur Minecraft, si possible, pas si possible, c'est, comment dire, un petit texte décrivant votre, comment dire, ce qui vous donne envie, voilà, de venir sur le serveur, expliquer un peu votre expérience passée sur Minecraft, quoi. Je fais un petit texte, histoire de vous montrer, expliquer un peu ce que vous avez fait, votre parcours. Et surtout ce qui vous motive à venir sur le serveur. Petite condition importante dans ce texte, c'est d'écrire, comment dire, un texte clair. Voilà. Je m'en fiche des fautes d'orthographe ou des fois si vous parlez en SMS, mais pas trop quand même, évitez. Si possible, essayez d'être compréhensif. Voilà, parce que si je comprends pas ce que vous dites, je vous refuserai. Ça, c'est pas que je veux pas, mais c'est que. Ça m'embête un peu de pas comprendre pourquoi. Donc, dès que vous serez accepté, moi j'aurai votre pseudo Minecraft, je vous mettrai dans la waitlist. Et après ça, je vous enverrai l'adresse du serveur en privé, parce que j'ai pas envie qu'elle traîne partout. De toute façon, il y a une waitlist. Donc, voilà. Oh, bon, il n'y a pas spécialement de règles, hein. De toute façon, vous l'avez dans cette vidéo-là. Donc. Plus tard, je ferai peut-être plus de règles. La règle la plus importante sur ce serveur-là, c'est surtout, comment dire, le respect d'autrui. Voilà, c'est tout ce que je veux, le grief évité. Je peux pas vraiment le vérifier, mais comme j'ai pas mal de personnes que je connais sur le serveur qui vont jouer et tout, donc c'est pas, ça sera pas à me rapporter. Mais s'ils voient qu'il y a des soucis, ils pourront toujours me le dire et. Je risque de bannir. De toute façon, maintenant, je laisse pas de possibilité. S'il y a vraiment un problème à quelqu'un, que je vois insulte ou quoi, je banne. Donc c'est pas compliqué, je veux juste du respect. Bon, c'est vraiment pas quelque chose de bien compliqué, je pense. Donc voilà. Donc pour ceux que vous connaissez un peu les autres vidéos, ça c'est le monde de mon ami Flash, médiéval. Bon, il va pas y aller parce que il est pas avec nous, donc je vais éviter de faire un tour dans sa. Construction qui a pas mal avancé, donc j'aurai le plaisir de vous faire une petite vidéo en sa compagnie une prochaine fois. Ceux qui iront sur le serveur pourront visiter ce monde, mais vous serez que simple visiteur, vous pourrez rien faire. Parce que ça, c'est un monde qui est réservé à Flash, plus des amis à lui, à moi, peut-être d'autres qui viendront par la suite, mais on verra ça. Voilà. Excusez-moi, je vais essayer de pas déternuer, je suis encore un peu mépris, mais on l'entend peut-être à ma voix. Donc le premier monde, c'est la map survie en normal sans PVP. Aussi, pendant que j'y suis, j'explique un peu ce qui m'a un peu galéré pour ouvrir mon serveur. C'est que, comment dire, j'ai eu pas mal de soucis à configurer des plugins. J'ai fait ça tout seul. Dans un sens, je suis un peu fier de moi parce qu'il y a pas mal de petits boulots. Donc avec le groupe manager, bien gérer les groupes, ça, du début, ça n'a pas été trop compliqué. Mais ce qui a été le plus chiant, c'est que comme vous allez voir, on va aller le voir. J'espère qu'on va se transporter tout de suite. J'ai du bol, ça se passe bien. Donc, voilà, ça c'est le point d'arrivée de la map survie. Bon, j'ai encore des travaux, mais ça va venir. Donc là,
On va regarder sur la map. Je vais faire un petit zoom. Cette partie-là que vous voyez en face de la flèche rouge, là, qui indique que cette partie-là va être réservée à la première ville. Donc je vais essayer de faire des routes, si possible, dans la semaine, peut-être demain soir, pour qu'on construise tous, ceux qui viennent, essayent de construire une petite maison, une première maison. Après, si vous avez envie de construire quelque chose, tout se passera sur la page que j'ai sur Facebook, hein, message privé ou proposition en article, comme vous le voulez. En article, ce sera mieux, comme ça tout le monde verra, qui peut se préparer. Donc je voudrais essayer de garder près du spawn un premier endroit pour faire une première ville. Ça peut être sympa qu'on se retrouve au moins une ville où tout le monde va être là. Ceux qui joueront sur cette map-là, pourquoi on se retrouve. Donc voilà. Après la partie en bas là, que vous voyez en face de la flèche rouge, la neige, si quelqu'un veut faire quelque chose aussi, il pourra, il n'y a pas de souci. Là aussi, donc ça c'est bon, le marais. Après il y a d'autres choses, mais je sais pas trop. Il n'y a pas trop de restrictions sur cette map-là. Je tiens juste à vous avertir que ce serveur est un serveur presque 100% Minecraft d'origine. Il n'y a pas des tonnes de mods, ni rien pour pas qu'on ait, comme vous voyez, ces petites bestioles-là, elles explosent. Donc faites attention. C'est pour ça que je vous conseille de mettre ZAN minimap si vous pouvez, parce que ça vous permet de voir les monstres. Et on a du bol, c'est un coin à slime. Donc ceux qui aiment faire des trucs avec des pistons, vous les avez. Donc ça, le seul plugin que j'ai mis, j'ai World Edit, mais ça parce que ça permet des fois de faire des trucs. Faut que tu as constructé le point de spawn que je vous avais déjà montré. Donc à ce niveau-là, c'est tout. Juste il y a le plugin Locket. C'est le seul truc vraiment que j'ai fait pour que vous puissiez bloquer vos portes ou merde. Au coffre, voilà, coffre et porte. Donc faites attention aux creepers. Moi je veux un truc, j'ai voulu faire un serveur 100% presque Minecraft, donc sans trop de rajout, comme si on jouait à normal comme une partie au départ sans mode. Voilà. Donc ça, là vous avez une salle de commencer. Là en bas il y a une mine. On va aller descendre vite fait. Un début de mine optimisée. Je me dépêche parce que si j'ai encore un peu de temps, parce qu'il faut qu'il commence à se faire un peu tard, et demain j'ai le boulot. Quand vous verrez, j'aurais déjà fait une journée, mais ça c'est pas grave. Donc j'ai fait un début de mine optimisée pour que les gens, s'ils veulent récupérer de la pierre et tout ça, vous viendrez là. Je vous demanderai juste, si possible, ceux qui viendront jouer, de respecter ce pattern de minage, si possible. Donc il y a quand même de quoi faire. Donc hop, j'ai fait un petit début. Donc ça, et on se met en hauteur 9. Donc ici, ici, voilà. Bon, monter comme ça, hop, ça ira plus vite. Pour remonter tout là-haut. Vous montrer un peu ce que j'avais commencé à prévoir. Bon, là, j'ai déjà mis quelques trucs, comme ça, là-dedans, il y a du charbon, un petit peu de charbon, histoire, ceux-là qui veulent faire quelques torches. Un petit peu de pierre aussi, comme j'ai creusé, donc je dis, je vais vous le laisser. Donc là, nous avons la salle des fours, pour ce qu'on commence à. C'est quand même pratique d'avoir quelques trucs. Le portail du Nether, qui est là, parce que comme nous sommes sur Multiverscore, donc j'ai dû créer des mondes Nether, ce qui a été folklorique aussi, parce que, comment dire ça, le souci que j'ai eu, comment dire, ah pardon, que j'ai eu, c'est que des fois je créais les mondes Nether, mais j'atterrissais dans la. Dans les blocs, car je crevais, donc pour faire un endroit c'est un peu chiant. Et aussi ce que j'ai eu comme problème, c'est les inventaires. Donc le monde survie ici est relié aux inventaires du Nether qui correspond. Donc j'ai mis des petits panneaux, donc pensez à faire un slash set home. Je sais pas si on peut en faire plusieurs. Pour l'instant j'ai moi perso j'en ai fait qu'un. Donc faites-en un ou. Parce que si vous arrivez, vous allez dans le bas, comme je vais pas vous le montrer, mais le problème de ce qu'on appelle des Nether Portals, puisque c'est avec Multiverscore, c'est que vous devez créer votre monde Nether, mais le portail là que j'ai en face de moi, quand je le crée, de l'autre côté dans le Nether, il n'y a pas de portail qui se crée. On atterrit un peu partout et. Au départ, j'avais testé de faire un autre portail pour revenir dans le monde, vu que les
les mondes sont linkés. Mais le souci que j'ai, c'est que quand je fais le portail de retour, j'atterris n'importe où. Donc je me suis dit que c'était pas la peine de faire un portail. Donc les gens, bah, ceux qui jouent sur cette map là, ils auront un set home ici, ou s'ils veulent le changer, ils le refont. Donc vous faites un set home avant d'aller dans le nether. Pour ceux qui auront besoin d'y aller, hein, c'est pas obligatoire. Ça, hop, voilà. Donc c'est juste à penser à ça, parce que sinon, bah, il n'y a pas de retour possible par portail. Donc, ou sinon, bah, vous avez aussi le la spawn qui marche. Petite info aussi, bah, sur cette, sur les maps, vous en serez d'office en builder. Comme vous serez sur whitelist, donc j'ai pas de visiteurs. Donc voilà. Je me suis dit, autant mettre tous les gens en builder d'office. Voilà. Donc hop, on va reprendre le portail pour revenir ici. En plus du bol. Je fais ma vidéo quand le serveur rame. Bah du moins, c'est pas le serveur qui rame, c'est moi qui ai une connexion de daube. Voilà, et tout ça. Donc on va retourner. Bah là, il y a un autre monde PVA de perte corps. Je vais vous montrer vite fait, mais ça, il n'y a rien d'exceptionnel dessus. Si lui veut bien se rester. Donc on va lui faire un petit tour. La map survie en mode hard et avec PVP. L'autre, il n'y a pas de PVP en normal. Mais il y a toujours les monstres, ça, les trucs qui pètent. Hein. Voilà, hop, on va aller voir le monde survie. Hop, donc bien entouré parce que... Ah oui, il y a aussi le spawn de 16 blocs autour de ça pour éviter que tout ça, bah, qu'on soit griffé. Donc, c'est pas que j'ai pas confiance, mais on sait jamais si un jour il y en a qui vient, qui se fait passer pour quelqu'un de bien ou pas, qui vient de casser ses blocs de diamants. Donc, ça me ferait un peu chier que les gens soient coincés, même si elle chasse spawn. Donc là, nous avons le portail pour le nether du PVP hard qui est pareil. Bah, vous inquiétez pas, si vous arrivez sur ce portail, il risque de perdre quelques cœurs. Donc, allez pas sans. Pas avec vos cœurs à fond, parce que ça sera quand même mieux, parce que sinon, vous allez perdre un peu. Donc, il n'y a pas de souci. 3. Bon, je sais pas ce que c'est l'OGL. Il me dit que je trouve quelques secondes. Donc, voilà. Donc, après, bah, ici, il n'y a pas de. Comment dire. Vous avez pas de règles. C'est le PVP Hard Survie et. C'est bah, moi je suis pas spécialiste, mais déjà les monstres, ils ont l'air d'être bêtes costauds. S'il y en a qui aiment jouer en hard PVP, sans limite, il y a toujours le slash loquette, mais. Donc c'est pas le. Comment dire. C'est important, hein. Regardez le petit creeper qui me regarde là-bas. Salut toi. Donc voilà, c'est pure Minecraft presque à part le loquette. Hein. Ici c'est les monstres qui vous attaquent en dur dur. Et vous pouvez vous combattre entre vous hein, aussi, hein, s'il y en a qui veulent. Bon, je sais pas si se faire des factions, il n'y a pas le truc, mais s'il y en a qui veulent se mettre en groupe, genre créer des villes et se battre entre eux, il n'y a pas de souci. Hein. Ici, vous faites ce que vous voulez. Donc, si je vois que ça prête, quand même, s'il y a trop le bordel, les maps sont trop dégommées, peut-être qu'à l'avenir, je réhésiterai la map et j'en mettrai une nouvelle. Hein. Ça, je sais pas, on verra. Hein, parce que c'est ça le souci aussi. Hein. Mais de toute façon. Donc, hop, on va retourner. Je vais vous montrer la dernière map qui est la map en créative. Ah, j'ai même pas marqué. Hop, attendez. Alors, map, fruit, build. Voilà. Done. Hop, on y go. Donc là, il y a. Hop. Hop. Bah là, c'est. Un petit délimitation. Ah, j'ai pas fini, hein, je pourrais l'agrandir. Donc, bah, comme je sais que sur le groupe de Nax TV, Nax TV, sur Facebook, il y en a qui avaient demandé à vouloir faire une ville en créative. Donc, je laissais ce petit espace pour faire leur ville. Ils veulent le faire en créative. Donc, il y en a qui feront leur ville en normal et l'autre en créative. Donc, voilà, il y a ça. Ça, c'est la partie pour la ville. Après, peut-être d'autres villes aussi. Hein. Il n'y a pas qu'une seule, forcément. Donc ça, un espace pour pixel art, c'est ici, hein, donc je sais même pas pourquoi je vole, de toute façon, hop, on va aller voir, là où, en face de la flèche, c'est l'espace pixel art. De toute façon, j'agrandirai mes grands murs, de toute façon, si pour ceux qui veulent faire des pixel art, ça sera par ici. Moi, j'en ai quelques-uns de prévus, donc je sais pas si je les ferai là ou pas. Et là, c'est un espace pour les constructions d'hiver. Donc, et important, pensez à délimiter l'espace dont vous aurez besoin. Donc, je vais vous montrer un petit exemple. Par exemple, essayez de prévoir vos constructions un peu avant, et si vous avez envie de vous réserver un espace, vous faites juste ça, vous prenez des barrières, hein. Là c'est juste une démo, hein. Hop. Voilà, vous faites, là c'est un petit truc que je fais, hein. C'est pas quelque chose de gros, hein. Voilà, hop, juste un petit,
une petite imitation, vous comptez avant de faire votre truc ce qu'il vous faut, et bah vous faites. Pour savoir que vous avez besoin de cet espace là, ce serait quand même plus pratique. Et si vous faites un petit truc, un grand truc, hein, vous délimitez votre espace avec des barrières pour éviter que. Bah pour montrer aux autres personnes que c'est votre emplacement. Voilà. Bah j'espère juste qu'il n'y aura pas de grief non plus, mais. Si je vois qu'il y en a trop, peut-être que je mettrai le Worldguard, ça me fait un peu chier, mais je voudrais quand même que les gens viennent sur mon serveur en respectant les autres, quoi. C'est pas bien compliqué. Hein. De toute façon, je dis, de toute façon, s'il y a des soucis, je banne direct. Donc, à vous de voir, donc à vous de respecter tout ça. Bon, bah, je pense que j'ai fait le tour de ce petit serveur. On va se retourner sur le. Sur la map principale. Donc, bah, je vais récapituler ce qu'il faut pour revenir sur le serveur. Bah, allez aimer la page Karaza TV Minecraft, que j'avais créé il y a un petit moment, mais que je relance pour le spécialement pour le serveur. Je sais qu'il n'y a pas de forum, d'autres m'ont dit qu'il faut, mais je veux un truc tout simple. De toute façon, bah, comme il n'y a pas beaucoup de plugins, donc je sais pas si les gens vont être intéressés, mais c'est un serveur, comment dire, 100% Minecraft. Ça, après... Alors ça, après qu'est-ce qu'il vous faudrait donc bah pensez à dans le message que vous enverrez sur la page Find Minecraft Karaza TV Minecraft que je mettrai en description dans le message privé, pensez à mettre votre pseudo Minecraft, si possible votre âge, bon, je m'en fous de l'âge, mais c'est juste pour savoir à peu près à qui j'ai affaire, une petite description bah, de vous et tout. Ce que vous aimez dans Minecraft, ce que vous, ce qui vous donne envie de venir ici, un peu de votre expérience passée, quoi, essayer de faire un petit texte un peu développé. Bah pour les fautes d'orthographe, je m'en fiche. L'important, comme j'ai dit, c'est d'avoir un texte bien, comment dire, bien défini, bah bien clair plutôt, voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à parler, mais vous l'entendrez peut-être dans la vidéo, ma voix est un peu nasillante. Ah. Bon bah c'est pas grave, juste une connexion perdue, délai de connexion a expiré, bon ça c'est ma connexion internet qui est pourrie. Bon ça m'empêche pas de finir ma vidéo puisque ça filme toujours. Donc on va continuer sur ce superbe menu. Bon on va aller retenir au menu principal, voilà, hop. Bon en même temps bah je suis sur la liste des serveurs, hein. Petite dédicace au serveur bah, Bicraft et Mindserve aussi bah, que j'ai eu, c'est Baba Hotel. J'ai toujours ton serveur, je pense que ça doit être celui-là, donc... Moi, je suis toujours partant pour le partenariat avec toi, parce que je l'ai déjà avec le serveur Bicraft, que je salue, Victor Raimondo, la personne qui m'a accompagné dans la visite de son serveur. Donc, j'ai pas encore fait le petit logo, comment dire, à mettre avant le, bah, après le jingle PSB Network et avant la vidéo, mais je vais préparer ça. Donc, si bah, Baba Hotel, tu peux m'envoyer un truc, moi, ça me fera plaisir de te mettre dedans. Partenariat, donc comme ça dès que tu as ton site bah vous bah et pour le Bicraft aussi dès que vous avez vos sites hein, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça pour que je vous mette bah moi, pour l'instant j'ai pas de site, faut que je voie avec la personne qui connaît bah mon pote là, savoir si c'est remettre dessus et peut-être voir agrandir l'équipe pour avoir un nouveau site. Donc voilà, bon bah pour la j'expliquerai aussi tout dans la description pour vous inscrire, donc lisez toute la description bien, c'est tout ce que je demande, voilà. Donc ça, bah, serveur Minecraft, je sais même plus ce que c'est, ça, mais c'est pas grave, je l'ai, mais je sais plus. Ah non, c'est le serveur Minecraft, ça doit être le Mineserve, c'est le Mineserve Expo, non, c'est Minefire, c'était celui-là. Pas pourquoi il y a communication et erreur, mais voilà. Bon bah, je fais annuler, on se retrouve ici. Donc, bon, bah, je crois que j'ai fait le tour de tout ce qu'il fallait. Bon, bah, moi, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je suis content de pouvoir vous annoncer enfin l'ouverture de mon serveur Minecraft. Hein. Donc, si vous avez d'autres questions sur le serveur, n'hésitez pas à me les poser en privé sur YouTube ou sur la page Karaza TV Minecraft que je vous mettrai dans la description, lien. Donc, voilà. Je vous ferai le plaisir de vous accueillir. Bah, moi, je serai peut-être pas forcément là, mais. Je vais faire une petite équipe de modérateurs qui viendront sur le serveur, donc pour qu'il y ait un peu de gens, bah, quand il y a un problème, qu'il y ait plusieurs personnes qui puissent gérer tout ça. Parce que tout seul, je peux pas trop, comme je travaille, donc c'est un peu compliqué.
Bon, bah, je crois que c'est tout. Bah, je vous remercie. Vous avez eu cette petite visite de serveur. Bah, le serveur, les maps et tout ça vont peut-être avoir venir à évoluer. Peut-être de nouvelles, je sais pas. Je suis chez OMG Serve, que je vous remercie parce que franchement, ils font des serveurs super bonne qualité. Là, si ça merda, c'est ma faute parce que j'ai une collection pourrie chez SFR en ce moment. Donc, c'est tout. Bon, bah, moi, je crois que j'ai fait le tour principalement bah, de ce que j'avais besoin de vous dire. Donc j'attends bah, vos candidatures sur la page Gareza TV Minecraft. Mais excusez-moi si des fois ça met un peu de temps pour vous accepter, mais comme je vous dis, je travaille donc de 7h15, 7h30 le matin jusqu'à 5h, 5h15, donc c'est même pas plus. Donc la journée, je suis pas trop dispo, donc je vais essayer de faire ça le soir entre les tournages de vidéos. J'ai un peu de retard. Donc là, peut-être que je vais cette semaine me concentrer sur envie de me relancer dans un petit RPG 2D PS1, donc je vais voir ça. Bon, en tout cas, moi je vous remercie, je vous dis à très bientôt les amis. Allez, ciao, ciao!